Jean-Baptiste Sito. La fête a été célébrée à travers un défilé de plus de 2 heures sur le macadam de la préfecture de Pointe-Noire, organisé par l'intersyndicale des confédérations des 2 départements qui regroupent l'ensemble des syndicats des travailleurs du secteur privé et public. Un défilé riche en couleurs et en sons, caractérisé par plusieurs faits, notamment le passage du drapeau national, des corps paramilitaires, des membres de l'intersyndicale, des douaniers, des agents de la marine marchande, des eaux et forêts, les agents de la mairie et des sociétés privées de la place. Cependant, la célébration de la fête du 1er mai à travers le monde rassemble les forces vives et les travailleurs du monde entier. Elle symbolise également la prise de conscience et de l'affranchissement par le travail. Ainsi, les travailleurs du monde en général et ceux de Pointe-Noire en particulier se souviennent des événements survenus il y a plusieurs années à Chicago dans le monde du travail.